Et nous sommes avec Marc Lièvremont. Bonjour, sélectionneur de l'équipe de France de rugby. Vous nous avez livré, on a suivi tout ça en direct attentivement tout à l'heure, la liste des 32 joueurs retenus pour participer à la prochaine Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, Coupe du Monde qui débute le 9 septembre. Alors, vous n'avez pas échappé à la question, on va vous la reposer. Chabal ne fait pas partie du groupe. Pourquoi ? Il y en a 32 autres hein, sur lesquels vous pouvez poser des questions. Pourquoi sur des critères sportifs uniquement, et j'en ai assuré Sébastien, parce que c'est vrai qu'il a été victime d'une polémique ces dernières semaines, qu'il a été suspendu par son club, qu'il passe demain en commission de discipline. Voilà, maintenant on a choisi de démarrer avec une troisième ligne, avec deux numéros 8 puissants, donc Sébastien est sous ce profil, mais je suis depuis de nombreux mois l'éclosion du jeune numéro 8 du Biarritz Olympique, Raphaël Lacafia, que je trouve excellent, très constant dans ses performances. C'est vrai qu'à son actif, Sébastien a ses 3 ans avec nous, des bons, des moins bons moments, qui fait partie des joueurs aussi des cadres de cette équipe, mais à ce poste de troisième ligne, j'en ai énormément. Hein, le capitaine, bien sûr, mais Arinor Doki, qui est capitaine en club, Ouedraogo, capitaine en club. Que Louis Picamol aussi, même s'il n'avait pas été retenu cette dernière année, a aussi accompli de très très bonnes performances et que peut-être certainement j'ai jugé que la marge de progression de ces joueurs était plus constante ou plus certaine en tout cas que Sébastien au cours de ces derniers mois. Encore un petit. Ça n'est pas un choix facile comme un certain nombre d'autres. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à Sébastien et je comprends sa déception. Alors, encore un petit mot sur les absents avant de parler des présents. Poitrenaud et Josion. Pour Poitrenaud, c'est un peu plus étonnant quand même. Un peu plus, je ne sais pas, c'est difficile hein, de quantifier la dose d'étonnement, le statut du joueur, son expérience. On lui a préféré, moi encore une fois, je préfère parler des gens qu'on a choisis à sa place, quelque part, au poste de deuxième centre, David Marty, qui nous donne satisfaction depuis de nombreuses années. Aurélien Rougeoury, qu'on prend blessé, mais Aurélien me paraît indispensable, tant sa maturité, son comportement, sa densité, ses qualités rugbystiques font que le risque vaut d'être pris quant à sa présence en Coupe du Monde. Et sur les postes derrière, voilà, il y a Damien Traille, on connaît sur un registre différent que celui de Clément, le bon retour de Cédric Emmans, la polyvalence d'un Alexis Palisson et d'un Maxime Médard. Vous savez, je le dis souvent. Oui. Marc, il y a vraiment une question hein, qui revient aussi. C'est pourquoi avoir dévoilé cette liste si tôt dans le calendrier? Le top 14 n'est pas encore terminé. La Coupe du Monde débute le 9 septembre. On est mi-mai simplement. Pourquoi? On rassemble les joueurs le 28 juin. Hein, et des joueurs sont déjà éliminés. Donc c'est déjà potentiellement en vacances depuis le dernier week-end. Ce qui fait 2 mois de coupure. On a besoin aussi de mobiliser ces joueurs dès le moment où ils sont éliminés. Ils seront, pour ceux dont c'est le cas, concernés par 3 jours de stage, de bilans médicaux, dès lundi à Marcoussis, de manière à ce que vraiment, le 28 juin, on puisse démarrer une préparation la plus efficace possible. Et 2 mois de stage, de préparation. C'est cette raison. Plus de deux mois d'ailleurs de préparation en commun. C'est là que vous espérez former un groupe. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant toutes ces semaines? Ils vont bosser, ils vont baver physiquement. Il y a évidemment une trame physique, physiologique, validée par des experts. Et puis derrière, j'ai vraiment apporté beaucoup de soins à cette préparation, au cadre, au lieu de stage, aux coupures aussi. Parce que 2 mois, enfin 3 mois et demi, presque 4 mois en commun, c'est beaucoup. C'est une préparation que j'aurais aimé vivre, quelque part avec ma sensibilité de joueur. C'est une préparation sur laquelle je mise beaucoup. Ça va être dur certainement, mais je pense que ces 2 mois vont nous permettre vraiment de transformer radicalement physiquement, rugbystiquement, de missionner individuellement et collectivement aussi ces joueurs vers cet objectif de la Coupe du Monde. Voilà, j'espère qu'on va prendre beaucoup de plaisir. L'objectif, vous allez me dire, c'est bien sûr de remporter la Coupe du Monde, mais quand même, avant, il faudra passer par les phases de poule. Dans notre poule, hein, je le rappelle, il y a la Nouvelle-Zélande. On peut espérer terminer deuxième. Je pense que c'est pas un objectif incommensurable. On pourrait rencontrer l'Angleterre dans ce cas-là en quart de finale. Ça vous paraît faisable?
Évidemment, hein, je crois que dans un contexte autrement plus défavorable, on est allé quelque part rivaliser contre l'Angleterre à Twickenham pendant le tournoi. Encore une fois, ces 2 mois de préparation en termes de gains, je pense qu'on sera les plus favorisés, parce que les Anglais sont déjà sur ce mode de préparation depuis plus d'un an maintenant. Mais bon, il faudra d'abord, que vous l'avez dit, sortir de cette poule, parce qu'outre la Nouvelle-Zélande, il y a un match que je qualifie de match piège, hein, 6 jours ou 7 jours après la Nouvelle-Zélande, c'est les Tonga qui vont jouer quelque part à domicile. Une équipe aux fortes individualités, mais qui va nous permettre certainement de monter, en tout cas on l'espère, en puissance avant l'Angleterre. Et puis c'est vrai que si on veut être champion, derrière c'est peut-être l'Australie, derrière c'est encore peut-être la Nouvelle-Zélande. C'est vrai que c'est un gros parcours. Donc pour l'instant, je me concentre essentiellement sur ces 2 mois de préparation, cette date du 28 juin, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres blessés, comme vous l'avez souligné pendant les phases finales. Merci Marc Lièvremont d'avoir été en direct avec nous sur LCI. Alors avant...